Et voilà. Alors, très bien. Nous allons commencer, si vous voulez bien, cette très belle conférence autour du duo. Du duo d'artistes. Alors souvent, nous pensons que les artistes sont des génies solitaires. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent une histoire d'amour qui va les lier, qui va lier l'artiste. La vie amoureuse parfois est au cœur de la création artistique. Et il y a de nombreux couples qui ont fait date. Alors, je suis sûre que vous pensez à Camille Claudel et Auguste Rodin, Sonia et Robert Delaunay, ou bien encore Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Évidemment, nous allons aborder Excusez-moi, ces je duos. n'entends pas du tout ce que vous dites. Alors, vous Je suis n'entendez désolée. ah. Alors, est-ce que Françoise Oui, non, on entend très bien, alors Ewan. Je crois qu'il n'hésitez faut se pas à augmenter le reconnecter. son. Ou à vous reconnecter peut-être directement Oui, sur n'hésitez le pas. Et Zoom. ensuite, on vous réintègre bien sûr dans la conférence. Alors, concernant ces grands artistes qui ont marqué les esprits et puis l'histoire de l'art, alors il y a tout type de relations, évidemment, hein, relations de complicité, mais également de rivalité artistique. Nous allons aborder évidemment certains couples mythiques du XXe siècle, mais aussi des personnalités qui sont restées un petit peu dans l'ombre de leur partenaire. C'est l'occasion évidemment de revenir sur leur carrière, de très très belles carrières. Donc ça sera en fin de ma présentation. Donc si vous voulez bien, on va débuter ce beau sujet avec deux couples mythiques. Qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art avec leurs relations passionnelles qui ont marqué évidemment à jamais l'histoire. Donc j'ai dédié en fait ce chapitre sur le thème de la passion dévorante parce que ce n'est pas forcément un amour, une relation calme, hein. C'est pas du tout la définition qu'on verra évidemment avec ce couple. On va commencer évidemment avec Camille Claudel et Auguste Rodin. Ce sont là deux personnalités extrêmement fortes qui se sont rencontrées en 1884. À cette période, évidemment, Auguste Rodin est un grand maître, c'est un grand sculpteur déjà qui a besoin de praticiens, c'est-à-dire des assistants pour travailler sur les différentes commandes qu'il reçoit déjà à cette époque. Il s'entoure de grand nombre de collaborateurs et parmi les élèves, eh bien, il y a une jeune femme, Camille Claudel, qui entre évidemment dans son atelier. Il voit très rapidement le potentiel artistique, le regard, l'œil artistique de Camille. De ce relationnel professionnel, très rapidement, eh bien, va évoluer dans une passion dévorante, dont vous connaissez évidemment l'issue fatale pour Camille. Mais revenons un petit peu sur ce moment clé justement de la rencontre et comment ils vont travailler ensemble, comment ils vont s'échanger aussi, influencer l'un sur l'autre. Alors au départ, il est évident que le professeur, le maître évidemment, Auguste Rodin, influe beaucoup sur le travail de Camille Claudel. Alors je vous ai choisi par exemple cette tête d'esclaves, dont au niveau du cartel, j'ai bien nommé Camille Claudel. Alors, attention, à cette période, dans les années 1880-90, eh bien, lorsque des praticiens travaillent dans l'atelier d'Auguste Rodin, eh bien, ces praticiens travaillent pour le grand maître. Donc, ce sont entre guillemets, des petites mains, ce sont des assistants qui vont travailler pour le grand maître, et c'est le grand maître qui signe évidemment ses réalisations. Alors, parmi ces réalisations, il y a cette tête d'esclave qui, pendant longtemps, a porté d'ailleurs au niveau de la transposition en bronze la signature de Rodin, mais il a fallu du temps
pour comprendre et de déceler vraiment la main qui était dans la création même de cette tête, de ce visage, et bien c'est Camille Claudel. Donc il a fallu un peu de temps pour la réattribuer, mais c'était extrêmement courant. Ce n'est pas que dans l'atelier de Rodin, dans tout atelier de grand maître, il y a ses assistants, il y a des praticiens chez les sculpteurs qui évidemment travaillent pour le principal, hein, le sculpteur principal, en l'occurrence ici Auguste Rodin. Alors de ce couple bien va jaillir grand nombre d'échanges artistiquement parlant, évidemment c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et j'ai voulu ici confronter plusieurs œuvres de Camille Claudel et d'Auguste Rodin, de voir à quel point il y a l'un ne va pas sans l'autre et s'inspire l'un sur l'autre. Et en l'occurrence là, l'homme penché de Camille Claudel à gauche et le penseur, très grand penseur que nous connaissons très bien de Rodin, eh bien, nous percevons évidemment les mêmes perceptions, la même recherche plastique au niveau de la description, de la silhouette, les muscles, l'expressivité évidemment entre dans la description de ce personnage complètement renfermé et dont le jeu des musculatures et des masses musculaires sont très très similaires, et l'expressivité qui s'en dégage évidemment. Nous avons là la preuve indéniable qu'il y a des échanges artistiques entre les deux. Alors c'est vrai que pour cette œuvre là c'est plutôt l'influence évidemment du style de Rodin qui va déteindre un petit peu sur le travail de Claudel. Nous avons comme cela plusieurs parallèles que l'on peut faire. C'est vraiment 9 années de relation houleuse, une relation passionnelle qui vont lier à jamais ces deux artistes. Et elle va autant apporter à Rodin et vice-versa. Nous avons par exemple ici 2 portraits. Alors, ça m'a amusé de vous proposer comme ceci ces 2 portraits faits par l'autre, c'est-à-dire le visage de Camille réalisé par Auguste Rodin et son pendant, Camille Claudel, qui réalise le portrait de son amant, de son maître, de ce grand sculpteur dont on perçoit évidemment toute sa dextérité, sa maîtrise des volumes et de l'expressivité dans le portrait réalisé d'Auguste Rodin. De même, lorsque nous abordons le regard de Rodin sur cette jeune femme, on sent tout l'aspect frêle, fragile, une certaine fragilité et la douceur qui émane de ce regard de cette jeune femme Camille. Eh bien, j'ai voulu vous montrer des variations qu'il propose à partir de cette même tête de Camille, avec des associations comme ceci. Et je trouve que c'est très très parlant avec cette relation un peu dominant d'Auguste Rodin sur Camille Claudel, avec cette main associée gigantesque, énorme, qui entoure le visage de Camille. En l'occurrence là c'est la main de Vicente, un des grands modèles d'Auguste Rodin. Donc on a ici vraiment l'expression de leur relation, peut-être pas équitable, vous voyez, au départ, mais qui, au fur et à mesure, Camille Claudel va prendre vraiment une confiance en sa production et va essayer, durant toute sa carrière, de se désolidariser du style et de l'emprise de Rodin. C'est évident. Alors, parmi des réalisations dont il y a visiblement, en tout cas indéniablement, des échanges, hein, entre ces deux artistes. D'un côté à gauche, vous avez l'expression de la douceur et de des amoureux représentés par Camille Claudel, intitulé Sakuntala. Et puis de l'autre, l'éternelle idole, œuvre très célèbre de Rodin, dont on perçoit absolument la même approche dans la description générale qu'on
compositionnelle, mais également ce rapport entre l'homme et la femme. Alors, de la même manière, eh bien, il y a cette reconnaissance, vous voyez, Rodin perçoit tout le talent et le potentiel de Camille, et il le dit d'ailleurs, hein, et il y a cette phrase très très célèbre de Rodin où il dit d'ailleurs, je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est à elle. Donc, il y a évidemment cette reconnaissance, mais en même temps, une relation passionnelle et un peu dominante d'Auguste Rodin sur Camille Claudel. Et nous connaissons évidemment la fin tragique, hein, après 9 ans de relation tumultueuse mais passionnelle, eh bien, le couple se sépare parce que Rodin eh bien, retourne avec Rose Beurrée et Camille Claudel sombre dans la folie, alors une certaine paranoïa et aussi une folie qui malheureusement la contraint à aller enfin sa famille la place dans sa mère la place dans l'asile et meurt d'ailleurs dans l'asile. En asile, oui, c'est une fin extrêmement tragique et elle ne cessera en tout cas d'aller au-devant de la scène artistique pour prouver sa valeur artistique. Donc, c'est vraiment une carrière passionnante que l'on redécouvre un petit peu plus tard, hein, pas au vivant de Camille, on le redécouvrira un petit peu plus tard. Alors, autre artiste également qui a connu des tumultes et également une relation passionnelle, un certain Pablo Picasso. Alors, nous avons ici une photographie d'époque donc réalisée par Man Ray, autre artiste, et Picasso et Dora Maar se rencontrent en 1936. Mais avant cette rencontre, alors souvent lorsqu'on parle de Dora Maar, on pense tout de suite ah c'est la muse, c'était la muse de Pablo Picasso. En fait, ce n'était pas simplement une muse. En fait, avant la rencontre avec Pablo Picasso, Dora Maar est une photographe extrêmement importante sur la scène artistique. Elle est très réputée dans le milieu de la mode, elle fait de nombreux clichés, en tout cas pour des revues de mode, mais également des photographies, des photos artistiques sur la scène artistique et surtout appréciées par les surréalistes. Et je vous ai ici choisi 2 exemples, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres très très importantes, dont le simulateur de 36, qui représente là un travail de photomontage entre 2 prises de vue complètement différentes, dont une au niveau du décor tirée en fait de l'orangerie de Versailles, mais complètement inversée au niveau du point de vue, et associée à ce personnage. Alors on rentre vraiment dans l'étrange, comme on aime beaucoup évidemment dans le monde surréaliste, le monde de l'inconscient, du rêve et de l'étrange. Et nous avons également à droite mon coquillage de 34 qui est également un travail de photomontage entre le motif du coquillage dans lequel eh bien, on voit apparaître cette main de mannequin et l'association avec ce ciel ténébreux que vous voyez à l'arrière-plan. Donc Elle a déjà une certaine renommée dans le milieu artistique. Elle rencontre en 36 Pablo Picasso et ils vont interagir ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une petite partie peut-être dans la carrière de Picasso qu'on connaît un peu moins bien. C'est l'apport du médium maîtrisé par Dora Maar auprès de Picasso. Je m'explique. Lorsque ils se rencontrent, eh bien, elle apporte vraiment cette dimension très intéressante de la photographie que Picasso, pour l'instant, ne l'a pas beaucoup expérimenté. Donc, que fait-il là? On a vraiment un exemple de ces 2 médiums en un, donc un travail quasiment en duo, sur une photographie prise par Dora Maar, le portrait de Picasso. Picasso, sur la plaque de verre, eh bien, annote, voilà, il y appose la peinture pour capter évidemment le regard, hein, d'un autoportrait finalement, l'artiste vu par lui-même, et c'est un travail conjointement entre la photographie et la peinture. Il fera de même avec le portrait photographique de Dora Maar sur lequel eh bien, Picasso va dessiner par-dessus. Donc on a vraiment une accumulation et un dialogue qui se met en place entre les 2 médiums, donc la photographie dont
Dorama excelle, donc elle apporte ce médium au service de Picasso, et nous avons des résultats extrêmement intéressants donc qui datent des années 30. Et ensuite, ce qui est intéressant également, c'est de voir comment cette relation va évoluer avec une certaine, encore là, une personnalité très forte de Picasso qui a tendance à dominer et à contrôler la personnalité de Dorama et l'incite en tout cas à le suivre dans son univers. Et c'est ce qu'elle fera en faisant toute une série de photographies en 1937 lorsque Picasso peint le Guernica. Grand projet, et il y a tout un fond photographique très très important donc qui va suivre tout le process de création de Guernica photographié par Dora Maar. Donc c'est un témoignage très important, mais en même temps il faut savoir que Picasso c'est une personnalité très forte qui a besoin de dominer, incite Dora Maar a quitté la photographie pour s'adonner à la peinture. Alors, la peinture, elle va l'explorer, et elle va finalement, elle ne va pas pouvoir se dégager de l'emprise et du style de Picasso. Elle va travailler des natures mortes comme ceci en 45, et qui, pour les historiens de l'art, souvent a été qualifié un petit peu de pastiche finalement du travail de Picasso. Alors peut-être qu'elle était moins à l'aise avec la toile, hein, avec les tableaux, elle était bien plus à l'aise avec la photographie, mais c'est vrai que pendant cette période-là, au fur et à mesure, eh bien, elle délaisse la photographie. Donc c'est une relation compliquée, conflictuelle, dominante, hein, de la part de Picasso, et il prend vraiment Dora Maar telle une muse qu'il va peindre à plusieurs reprises. Je vous ai choisi deux portraits où on voit vraiment l'évolution de leur relation, avec d'une part la représentation ici, le portrait de Dora Maar de 37, donc voilà, ils viennent juste de se rencontrer, elle est magnifique, belle femme sensuelle, mais avec une écriture typiquement picassienne, où on est vraiment dans une période post-cubiste où il n'hésite pas à varier les points de vue. Vous n'avez qu'à évidemment à admirer la description du regard de face, de profil, le nez également des deux côtés, donc comme les préceptes du cubisme qui a été déjà installé à partir de 1909-1910, et puis des couleurs extrêmement chatoyantes, très très lumineuses, et qui met en valeur évidemment un éventail, vous voyez, avec cette taille toute fine qui permet de valoriser cette figure féminine, et Dora Maar qui devient vraiment une très belle muse. Et en même temps, au fur et à mesure que ça se dégrade et dans la relation, on voit aussi la perception de la personnalité de Dora Maar par Picasso, avec cette femme en pleurs où là il accentue l'aspect acide, vous voyez, avec les couleurs jaunes acides que vous voyez utilisées, des lignes extrêmement fortes, avec des crocs un peu partout en guise de motif de son col, cette femme en pleurs, cette détresse finalement de Dora Maar se révèle picturalement dans le travail de Pablo Picasso. Et il faut savoir que suite à leur rupture, bon, il ne reste que quelques années ensemble avant que Picasso ne passe à une autre muse, eh bien Dora Maar va être marquée à jamais, parce que suite à cette rupture, comme Camille Claudel, sombre dans la dépression, et ne parviendra plus à créer et avoir cette confiance en elle comme elle avait avant la rencontre. Elle va continuer à créer, à photographier, également à peindre, mais n'exposera plus jamais en galerie. Donc vous voyez, c'est comme Icare, elle s'est approchée trop près du soleil, du génie de Picasso, de cette personnalité très très forte de Picasso, et elle en a beaucoup pâti. Donc voilà, deux exemples de passion dévorante dans un couple, mais il n'y a pas que cela, évidemment, hein, vous avez également un autre chapitre
extrêmement intéressant dédié aux couples complémentaires, les duos à quatre mains. Alors, parmi les duos à quatre mains, il y en a beaucoup. Hein. J'ai dû faire une sélection, une sélection, et parmi eux, évidemment, Sonia et Robert Delaunay. Sonia et Robert Delaunay qui vont travailler de concert avec la même recherche esthétique, même recherche plastique concernant toute leur production. Là, je vous ai ici choisi une citation de Sonia Delaunay qui en dit long d'ailleurs sur leur rapport amoureux, rapport professionnel, rapport artistique. Alors, je lis, nous nous sommes aimés dans l'art comme d'autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime, dans l'alcool, dans l'ambition politique. La passion de peindre a été notre lien principal. Cela se confondait avec l'amour de la vie. Donc, tout est dit. Sonia Delaunay exprime parfaitement cette collaboration, cette union dans laquelle ils se sentent heureux et travaillent de concert. Donc, je vous ai choisi quelques œuvres. Alors, à commencer par Sonia Delaunay avec le Balbulier de 1913, très très célèbre, qui représente cette recherche sur la lumière, les couleurs simultanées, où dans toute sa longueur, eh bien, elle représente une scène de danse, de bal, où les motifs, les figures se confondent quasiment complètement avec l'environnement baigné par une lumière électrique, dont les formes, les couleurs, eh bien, se répondent les uns aux autres et évoquent le mouvement de rotation de ces danseurs dans un milieu baigné par une lumière. Alors, plusieurs sources de lumière, donc vous avez ces cercles chromatiques que vous voyez dans la partie haute qui vont être reprises au fur et à mesure par le couple, de ces couleurs simultanées, de cette chromatique simultanée, eh bien nous avons là côte à côte deux œuvres du couple. Et il est parfois même difficile de les différencier, hein, de l'œuvre de Sonia d'un côté et de Robert de l'autre, parce qu'ils sont exactement dans cette même recherche esthétique. C'est par le biais du prisme dans lequel eh bien, la lumière est divisée, et une réflexion sur ces disques solaires passant par les prismes et utilisant la couleur pour suggérer la vibration de la lumière, le mouvement qui est quand même très prédominant chez Robert Delaunay, ici intitulé « Hélice et rythme ». Donc, nous trouvons exactement les mêmes principes de disque, qu'on appelle aussi ce style qu'on a communément appelé l'orphisme. Eh bien, nous avons ce travail en commun sur les palettes de couleurs, les couleurs primaires et secondaires, et les complémentaires qui se répondent les uns aux autres pour donner cette sensation et cette émotion liée à la vibration de la lumière. Et Robert Delaunay va vraiment servir servir des œuvres comme une théorie, théorisation de l'art et de leur démarche, avec ici, par exemple, Rythme numéro 1, qui se trouve au Musée d'Art moderne de Paris. Et parallèlement à cela, l'un va plus aborder l'écriture, la théorie de leur recherche esthétique, en se basant évidemment sur toutes les recherches scientifiques autour de la chromatique, comme les écrits de Chevreul. Robert Delaunay était très, très intéressé d'ailleurs par les travaux de Chevreul. Et puis, Sonia Delaunay va aller encore plus loin en proposant de faire sortir l'art au quotidien en variant justement les supports. Donc elle sera à la tête évidemment de toute une fabrique autour des tissus où on retrouve le même travail de la couleur, de la ligne et évidemment tout ce que nous venons de voir précédemment transposé dans le mobilier, dans les tissus, donc les vêtements, également dans la dimension des spectacles, comme ici vous avez le croquis qui a été réalisé par Sonia pour le costume d'un ballet. Donc
C'est vraiment un travail complémentaire, d'un couple complémentaire, et qui ont la même visée, la même recherche esthétique. De la même manière, eh bien, vous avez un autre couple extrêmement intéressant, à savoir Sophie Tauber-Harp et Jean Harp. Alors, Sophie Tauber-Harp et Jean Harp se sont connus en fait dans les années 20, et les deux ont déjà commencé leur carrière artistique, dont Jean commence plutôt par l'art de la tapisserie, en tout cas de tissage, qui est plutôt alors perçu à l'époque en tant que métier plutôt de femme, et Sophie plus dans l'art déco. Et il y a vraiment une belle rencontre entre ces deux personnalités, et vont collaborer sur plusieurs projets, dont ici le Café Lobrette, qui se trouve à Strasbourg. Là, nous avons cette maquette qui est au MoMA, mais le Café Lobrette est toujours, enfin, on peut le visiter, hein, si un jour vous le souhaitez, en passant par Strasbourg, vous pourrez visiter le Café Lobrette. Au départ, c'est un projet qui a été offert à Sophie Tauber, et qui, voyant l'ampleur du projet, voulait associer son mari, donc Jean Harp, au projet, et également proposer à leur ami commun Théo van Doesburg de s'allier à ce projet-là. Alors, l'histoire de l'art voudra que Théo van Doesburg, qui est quand même à la tête du fil du mouvement de Stiel, eh bien, il va s'approprier un petit peu ce projet-là, et de nombreux ouvrages qualifieront même ce projet de légitimer Théo van Doesburg, et d'oublier un petit peu quand même la personne qui a été à l'origine du projet, c'est-à-dire Sophie Tauber-Harp. Alors, ils ont tout fait à l'intérieur, la décoration du mur, des murs, mais également des cimaises, le mobilier. Je vous ai ici choisi deux exemples de Sophie, par exemple, à gauche, des esquisses au niveau des décors pour les murs du café, également l'agencement de l'escalier, les vitraux. On est vraiment dans la suggestion, vous voyez, géométrisante de l'espace, et on est complètement dans l'osmose, dans la même recherche comme les Delaunay pour Sophie et Jean Harp, de travailler de concert et de travailler comme cela ensemble sur un même but. Ils vont même créer ensemble des sculptures. Par exemple ici, alors c'est curieux de se dire, voilà, ce sont des sculptures dont on doit citer les deux noms, c'est vraiment des duos, c'est un quatre-mains, intitulé donc « Un grand et deux petits » ou bien « Jalon » que vous avez sur la droite, et qui sont des propositions de sculptures qui sont même modulables, hein, pour Jalon. Et ce sont là des réalisations vraiment qui ont été réalisées à deux, et pas absolument pas pour l'un ou l'autre. Ce sont là des exemples vraiment étonnants de ces collaborations, où ils se sont retrouvés dans la même lignée de recherche. Ensuite, vous avez évidemment un autre couple mythique, emblématique, Christo et Jeanne-Claude. Alors, vous pourrez d'ailleurs me faire un petit reproche, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pris soin, par galanterie, de placer le nom de la femme suivi du nom de l'homme. Or, ici, je ne peux pas. En fait, Christo, qui a été vraiment mise sur le devant de la scène pendant longtemps, a exigé toujours d'être cité en tant que Christo et Jeanne-Claude. Et c'est tellement rentré dans les mœurs, de les appeler, qu'il m'est impossible d'appeler Jeanne-Claude et Christo, finalement. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai laissé le nom classique, Christo et Jeanne-Claude, même si ce n'est pas si classique que cela, parce qu'au départ, ce n'était pas évident que Jeanne-Claude soit cité. Alors, ce sont là deux prénoms. Hein. Christo et Jeanne-Claude sont vraiment deux alter-ego. Et ils ont tous chacun, en tout cas, son rôle. L'un est dans la création cérébrale, l'intellect, et ensuite l'autre est vraiment dans un point de vue pratique, la connaissance et la diffusion également de la démarche artistique auprès des autres.
créé, et surtout le travail monumental de Christo et Jeanne-Claude nécessite toute une organisation évidemment pour la réalisation de ces performances en fait. Parmi les réalisations célèbres, je vous ai choisi ce cliché où justement le couple pose devant leur réalisation, vous reconnaissez le Pont Neuf. Le Pont Neuf qui a été donc emballé complètement. Vous voyez, même les réverbères ont été emballés, recouverts d'un tissu, de ce drapé qui a été donc figé pour quelques jours autour de ce monument. Donc c'est un projet qui commence en 1975, et la réalisation a lieu en 85. Alors, on peut me dire, mais pourquoi autant de temps? En fait, il faut autant de temps pour récolter le fonds pour pouvoir réaliser ces installations. En fait, ce couple ne reçoit aucune aide financière de la part de l'institution. En fait, pendant toutes ces années, à partir de 75, Christo et Jeanne-Claude vont vendre les croquis, les esquisses, les feuillets donc de projet, et c'est l'accumulation évidemment de ces ventes qui vont permettre enfin la réalisation éphémère, en l'occurrence ici, du Pont Neuf. Donc c'est comme cela que le couple procède. Alors dans les années 60, au début, c'est deux couples de nouveaux réalistes qui ont commencé à emballer des petites choses, des bouteilles, des meubles, même des modèles vivants, mais au fur et à mesure, en vraiment de manière monumentale, leur démarche est de mettre en valeur finalement ce qui n'est pas visible. En fait, des trésors que l'on voit quotidiennement, et à force de les voir, on ne les voit plus, et bien ils les cachent pour pouvoir encore mieux mettre en valeur ces trésors. Et prochainement, et là je reste dans l'actualité avec vous, et bien malheureusement Christo nous a quittés il y a peu de temps, mais la consécration, en tout cas la réalisation, est confirmée pour cet automne 2021, où l'Arc de Triomphe va être complètement emballé. Donc le projet a été validé, et c'est un des croquis effectivement donc qui a été vendu, et qui a permis à la réalisation évidemment de cette installation. Donc c'est en septembre, il me semble que c'est le 18 septembre, et pendant quelques semaines vous verrez donc l'Arc de Triomphe envahi par la création de Christo et Jeanne-Claude. Alors c'est vraiment un couple atypique, extrêmement fusionnel, et qui travaille et qui sont extrêmement complémentaires aussi dans leur travail. Alors, continuons un petit peu encore avec ces duos, des quatre mains. Parmi ces artistes, eh bien, je voudrais qu'on puisse passer un peu de temps avec Gilbert et Georges. Ces deux hommes qui se sont connus à l'école des Beaux-Arts en Angleterre, et qui ont décidé de travailler toujours de concert ensemble. En fait, pour eux, ils se définissent comme cela: deux individus, un artiste. Donc c'est toujours une signature en duo, Gilbert et Georges. Donc parmi les premières performances, ici vous avez deux doubles pages, une double page de magazine qu'il nomme Magazine Sculpture. Vous avez Georges d'un côté et Gilbert de l'autre, et ils ont une approche très intéressante sur leur personnalité, leur figure, l'individualité commune du couple devient œuvre d'art. Donc, on a ici à droite Singing Sculpture de 68-70. C'était une performance qui a commencé en 68. Il y a eu tellement de succès qu'ils ont réitéré les performances, les happenings. Et en quoi consistait justement cette installation, en tout cas des sculptures vivantes? Eh bien, ils
ils jouent leur propre rôle hein, de sculpture vivante. Ce sont là, on reconnaît Gilbert et Georges. Et c'est une performance qui, au départ, durait 8 minutes. Et à force d'avoir de plus en plus de sollicitations, les performances ont fini par durer 8 heures. Donc, imaginez quand même l'endurance pour poser. Alors, comment posaient-ils ? Eh bien, ils étaient aussi en mouvement, accompagnés d'une musique. Alors, je vous ai ici trouvé un petit extrait que vous allez pouvoir visualiser avec la musique qui accompagnait. Voilà. Donc, au départ, ils ont commencé par des performances comme ceci ou des peintures, mais ils activement jouent un rôle dans leur création artistique. Mais en même temps, ils vont aussi réaliser de très très grands formats qui sont présents dans grand nombre de collections importantes d'art moderne à travers le monde. Parmi les réalisations célèbres, vous avez Walking, marchant donc de 1984, qui se trouve au musée Guggenheim de Bilbao. Ce sont des très très grands formats où ils mêlent la photographie et aussi les réarrangements un petit peu avec, dans la lignée du pop art, hein, c'est évident, avec des sujets qui sont très importants pour eux, l'exclusion, l'homosexualité, la liberté sexuelle et également la jeunesse. Donc, même sur ces grands formats comme cela, eh bien, ils sont toujours très actifs. Hein. Vous avez Gilbert et Georges qui sont ici au centre, monumental, et au fur et à mesure, de plus en plus petits, accompagnés justement de ce thème qui est extrêmement cher sur la liberté sexuelle. C'est une création extrêmement importante donc, des années 80. Date aussi une période importante justement de cette liberté assumée. Liberté sexuelle assumée, et c'est vraiment deux figures emblématiques de l'art contemporain actuellement. Alors ils vont faire des émules, et l'équivalent en France actuellement c'est Pierre et Gilles qui travaillent de la même façon. C'est vraiment un duo toujours. Je vous ai choisi un autoportrait, pléthore d'œuvres, mais voilà, je vous ai choisi celui-ci pour cette œuvre-là pour vous montrer un autoportrait. Alors leur technique, c'est de travailler dans un premier temps une photographie numérique et sur lequel, eh bien, ils vont peindre par-dessus. Alors c'est un travail vraiment artisanal. Vont peindre, ajouter des matériaux. Alors on peut qualifier un petit peu de kitsch aussi hein, sur cette illustration, mais totalement évidemment assumé, et puis un monde fantastique et un monde très très personnel de Pierre et Gilles, très actif encore actuellement dans les collections et dans les galeries, très souvent visibles. Voilà, donc voici quelques exemples de duos des quatre mains, vraiment des œuvres réalisées à quatre mains, des personnalités, vraiment des couples complémentaires. Et nous allons aborder maintenant peut-être un autre chapitre tout aussi intéressant sur les couples complémentaires, mais indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils collaborent ensemble, mais en même temps, ils gardent leur propre univers. C'est le cas, évidemment, de Frida Kahlo et Diego Rivera. Vous êtes d'accord avec moi, probablement. J'ai choisi pour ce soir une œuvre de Frida Kahlo qui peint le couple, son couple, Diego Rivera et elle-même. Dans cette confrontation, même physiquement très différent. D'ailleurs, elle disait qu'il pesait trois fois sa taille et puis qu'il avait deux fois l'âge de Frida Kahlo. Donc, elle vénère Diego Rivera, qui avait une carrière très, très affirmée déjà avant leur rencontre. Elle
D'ailleurs, elle note au-dessus, vous voyez, avec, portée par cette colombe, une dédicace où elle explique. Alors, je vous traduis, hein, écrit en espagnol. Vous nous voyez ici, moi, Frida Kahlo, et mon mari bien-aimé, Diego Rivera. J'ai peint ces portraits dans la belle ville de San Francisco, en Californie, pour notre ami Albert Bender. C'était au mois d'avril de l'année 1931. Donc, elle va vraiment vouer un amour inconditionnel pour Diego, même s'il y a eu des fracas dans le couple, mais ils ont su quand même garder leur univers pictural. Vous verrez, par exemple, dans une des réalisations de Diego Rivera, grand artiste fresquiste, hein, il fait pas mal de fresques, et dont une fresque célèbre, La distribution des armes, qui représente, qui est un fervent défenseur. Alors, Diego Rivera se place très très bien et assume évidemment sa position politique, la révolutionnaire, et scande évidemment ses messages, cet engagement politique est très très visible dans le travail de Diego Rivera, et en même temps sa belle est là, elle est au centre de la composition. Frida est au centre, au cœur évidemment de son univers, de son engagement, mais également son univers pictural. Alors, contrairement à Diego Rivera, qui est plus porté vers l'extérieur, vers son engagement politique, qui est très très marqué, eh bien chez Frida Kahlo, c'est autrement qu'elle conçoit sa création picturale, qui est plus axée sur son expérience personnelle, ses douleurs, et j'aurais pu vous choisir un grand nombre de tableaux, mais j'ai choisi les deux Frida de 1939, qui a été réalisé peu avant la rupture. Alors, ils ont rompu une fois, ils se sont remariés par la suite. Enfin, en tout cas, ça a été un relationnel un peu conflictuel, où Frida Kahlo se dépeint doublement, d'une part à gauche habillée un petit peu à l'européenne avec les dentelles, une très belle tenue blanche, et de l'autre une tenue plutôt mexicaine, dont d'ailleurs cette tenue était très très appréciée par son mari et son ex-mari Diego Rivera, dont elle tient d'ailleurs le médaillon, vous voyez dans la partie basse, elle tient dans la main le médaillon, et ces deux Frida, donc l'un en Europe, l'autre en Amérique latine, eh bien, sont reliés par ces cœurs, ce cordon qui le tient également à Diego, et dont elle va rompre le lien avec cette paire de ciseaux, donc extrêmement forte, et ce ciel ombrageux derrière ne prévoit absolument pas d'issue très positive, hein, de leur relation amoureuse. Donc c'est vraiment un monde très personnel que Frida Kahlo va explorer dans sa peinture, donc deux personnalités très fortes, distinctement, mais qui ont également beaucoup échangé et influencé l'un sur l'autre. Autre couple aussi très très importante, c'est évidemment Jean Tinguely et Nikite Saint-Phalle. Alors, je vous ai choisi ici l'avant-rencontre avec Nikite Saint-Phalle, avec Métamatique numéro 20. Enfin, il y a toute une série, il y a plusieurs métamatiques, toujours, mais par contre sur le même principe de d'une œuvre mécanique, avec un moteur, avec tous ces éléments en mouvement qui permettent de créer, d'ailleurs sur ce papier, ce rouleau de papier qui descend par exemple, et c'est lors d'une exposition de Jean Tinguely qui exposait donc sa série de métamatiques que Nikite Saint-Phalle tombe sous le charme évidemment du travail de Jean Tinguely, et lui conseille de mettre un peu plus de couleur, de fantaisie, comme elle a l'habitude de faire dans ses œuvres. C'est ce qu'il fera, Jean Tinguely, avec Baloba qui est ici. Donc c'est toujours le même principe de la mécanisation de la sculpture, mais on voit plus de plumes, plus de personnages colorés. Donc ça y est, Nikite Saint-Phalle déteint un peu dans le travail de Jean Tinguely, et là évidemment c'est un travail de collaboration qu'on connaît bien, hein, sur grand nombre d'œuvres. D'ailleurs, je fais référence à Horn que j'ai commenté dans une des conférences précédentes, où c'est aussi un travail de collaboration. Alors, au même moment que fait Nikite Saint-Phalle, pour l'instant elle ne fait pas les nanas célèbres, hein, ces sculptures de ces femmes
femme plantureuse, non, à cette période, toujours très colorée, mais à une approche plus bidimensionnelle sur des peintures dont elle associe différents matériaux, naturels ou pas, et très très colorée encore avec un autoportrait d'un côté et la vue nocturne sur la gauche. Donc de cette rencontre amoureuse et de cette rencontre artistique, nous avons des réalisations incroyables, dont le Cyclope. Le Cyclope qui se trouve dans la forêt, c'est une construction clandestine qui n'a sans autorisation au départ, on vient en 69, et qui prend une ampleur telle que, eh bien, évidemment, elle est devenue une œuvre incontournable et elle va être considéré comme, en tout cas, et protégé par la suite à partir de 94. C'est un travail de concert. On retrouve vraiment l'univers lumineux de Nikita Saint-Phalle sur le visage du cyclope avec cet œil unique au centre, mais également toute la partie mécanique typique de l'univers de Tinguely vers le fond. Et l'intérieur, c'est la même chose. Il y a comme cela des dialogues qui se mettent en place entre les deux artistes, mais également d'autres artistes qui vont venir collaborer avec eux, des amis artistes comme Armand, César, également Soto. Bon, d'ailleurs, vous voyez ici l'installation sonore de Soto sur la gauche. Donc, c'est une très belle réalisation qui montre justement ce travail en osmose et en même temps gardant leur propre univers. Alors, je suis sûre que vous pensez à une installation qui se trouve à Paris et qui est vraiment la preuve indéniable de ce travail de collaboration à Paris. Eh bien, c'est non loin du Centre Pompidou. La fontaine Stravinsky, qui est une commande du ministère de la Culture, entre autres, et la ville de Paris. Et c'est l'hommage rendu par le couple au compositeur Stravinsky. Et sur cette œuvre, on reconnaît évidemment la patte et l'écriture des deux, mais tout en harmonie dans l'ensemble. Et je vous ai ici choisi donc une citation de Jean Tinguely qui, à mon sens en tout cas, définit parfaitement ce duo, ce couple qui travaille ensemble. Nous sommes tous deux sculpteurs attachés l'un à l'autre, qui vivent dans deux mondes très différents, opposés dans les matériaux, opposés idéologiquement, opposés aussi dans la masculinité d'une part et la profonde maternisation de la féminité de l'autre. Ça fait un combat, on se combat. C'est, me semble en tout cas, cette phrase qui définit parfaitement leur relation et la richesse qu'on en tire évidemment de leur collaboration. Alors, cette œuvre est en mouvement et toute la mécanisation, et c'est Jean Tinguely qui valorise justement le travail de Nikita Saint-Phalle. Vous voyez toutes ces œuvres de Nikita Saint-Phalle en mouvement, c'est Jean Tinguely qui s'y attelle, tout en gardant également son propre univers, comme vous pouvez le voir ici. Alors, nous allons poursuivre avec le dernier chapitre, avec ses oubliés. Ses partenaires oubliés. Parmi ces réalisations, eh bien, nous avons ce rapport entre Vassili Kandinsky, que l'on connaît parfaitement bien, grand artiste du début du XXe, et une certaine Gabrielle Munter. Gabrielle Munter, qui était son acolyte donc, pendant plusieurs années, à une période clé d'ailleurs dans le travail de ce couple. Et un peu comme Camille Claudel et Auguste Rodin, je me suis amusée à vous présenter deux portraits faits par l'autre. Vous avez Kandinsky qui représente Gabrielle Munter en train de peindre et à la même date, le même exercice réalisé par Gabrielle Munter qui peint son compagnon Kandinsky en train de réaliser une peinture dans un paysage. Donc on est dans la même vision esthétique expressionniste où on a vraiment une réduction de la palette chromatique et des touches extrêmement visibles et travaillées au couteau. On a vraiment la même technique dans les deux. Et puis, ils vont travailler ensemble, choisir leur domicile à la campagne comme un lieu de rencontre avec les autres artistes. Et ils seront vraiment
à l'origine de la création du mouvement de la pensée du Blauwreiter, le cavalier bleu. Et même si dans l'histoire de l'art, on ne cite que Kandinsky, qui serait à la tête et qui aurait joué un rôle prédominant sur la création de la pensée du Blauwreiter, non, pas du tout, c'est un travail en commun. Or, on ne garde que, évidemment, l'homme. Je vous ai ici mis côte à côte deux œuvres qui ont été réalisées quasiment à la même période, vous voyez, au niveau de la datation. D'un côté, donc, la proposition de Kandinsky, on rentre vraiment dans cette période dite cavalier bleu, travaillant sur l'expressivité de la couleur, de schématiser les formes, de simplifier les formes. Chez Gabriel Munter, nous avons la même visée, mais en cloisonnant encore plus les aplats de couleurs, un peu comme Gauguin l'a fait. Et cette recherche picturale va se perdurer. Alors, Gabriel Munter va continuer dans cette lignée-là. Par contre, Kandinsky, à l'aube de la Première Guerre mondiale, vont se séparer et Kandinsky aussi change radicalement et bascule dans l'abstraction. Donc, nous avons deux carrières qui se délient. L'un bascule dans l'abstraction parmi les œuvres célèbres. Vous avez ici une œuvre de Kandinsky sur blanc numéro 2 de 23. Et puis, Gabriel Munter va continuer toujours l'exploration donc d'un paysage expressif en travaillant sur les tonalités de couleurs, et de vraiment une œuvre extrêmement importante et qui de son vivant a eu quand même une certaine notoriété et qui a été malheureusement oubliée par l'histoire de l'art par la suite. Elle a été d'ailleurs ce n'est même pas une anecdote, hein, c'est importante. Elle a été la première femme expressionniste à exposer, la première artiste expressionniste et accessoirement une femme, a exposé à Der Sturm, qui a bénéficié d'une exposition personnelle. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment une belle reconnaissance de son travail qui, malheureusement, au fur et à mesure, s'est fait oublier dans l'histoire de l'art. Autre artiste également important, lorsque nous abordons Jackson Pollock, nous connaissons tous Jackson Pollock avec ses drippings, son travail de all over et le geste très important, chorégraphique, où il ne cesse de créer justement collaboration avec la musique, hein, le free jazz qu'il écoute matin, midi, soir, et il aide d'ailleurs à travailler le gestuel où le tableau, la toile est posée par terre et il travaille. Donc d'ailleurs, dans une des dernières conférences, je vous avais montré justement un petit film sur la manière de peindre. Eh bien, il y a sa femme qui aussi joue un rôle extrêmement important, avec une carrière aussi tout aussi importante. Eh bien, c'est Lee Krasner. Lee Krasner qu'il épouse en 1945 et depuis donc on va avoir dans la même maison deux salles dédiées, donc l'un à l'atelier de Jackson et l'autre pour le travail de Lee, et ils vont travailler sur la matière, sur la forme. Et là, volontairement, je vous ai choisi deux œuvres de quasiment de la même datation, vous voyez, de 1954 ou de 1955. Et dans Bird Talk de Lee Krasner, eh bien, c'est un travail de découpage, de travail sur l'expressivité de la couleur, de la forme, sur des jeux de superposition. Donc, on va regarder de plus près. Plus on s'en approche, on se rend compte qu'il y a peut-être des similitudes dans la recherche des gouaches découpées de Matisse un petit peu, mais avec une telle expressivité abstraite, parce que chez Matisse, il n'y a jamais eu d'abstraction. Là, on a basculé dans l'abstraction, donc vraiment ce goût formel sur la couleur, la forme, la superposition. Là, on voit même, vous voyez, les découpages de toiles vierges qui viennent se superposer sur des aplats de couleurs. Eh bien, Lee Krasner aussi travaille le gestuel, différemment évidemment que Jackson Pollock. Ses œuvres sont collées au mur, en tout cas adossées au mur, et il travaille le gestuel, grand artiste de l'expressionnisme abstrait, dont malheureusement elle a été souvent oubliée
même si elle est très présente dans les collections, hein, mais elle est peu citée. Pourtant, elle a marqué les esprits au début du XXe siècle, en milieu XXe siècle, pour le courant expressionniste abstrait. Je vous ai d'ailleurs choisi une photo où on la voit en train de travailler sur cette œuvre. Le travail de rapidité, également le all-over, donc dépasser les bords. On le voit bien, cette énergie de création qui a été immortalisée par une photographe, par un photographe Marc Batiki. Alors si, pour terminer, parce que j'étais un petit peu peut-être un peu longue, vous avez l'œuvre de Maria Elena Vieira da Silva et je voulais... J'ai un regard évidemment sur son compagnon qui a été un peu délaissé. Jusqu'à maintenant, vous avez vu ces deux femmes qui ont été un peu oubliées de l'histoire de l'art. Là, ce n'est pas le cas. C'est l'inverse, avec Árpád Zenés. Árpád Zenés, un Hongrois donc, qui va rencontrer une artiste portugaise qui va beaucoup travailler, donc ils vont beaucoup travailler à Paris, entre autres, et également en Amérique latine. Vieira da Silva, on connaît totalement cet univers de Dédale avec l'accumulation de motifs. Elle fait souvent référence à son enfance, à ses lieux de prédilection, les bibliothèques, l'échiquier, donc les jeux d'échecs, tous ces lieux, vous voyez, confinés, des intérieurs où elle multiplie les motifs. Et d'ailleurs, on a un portrait magnifique réalisé par son compagnon, son mari, Árpád Zenés, qui représente là son épouse en train de peindre. Donc, on pourrait même se projeter, n'est-ce pas, sur l'œuvre réalisée par Vieira da Silva sur le côté. Eh bien, nous avons retenu et on retient encore l'univers de Vieira da Silva qui est tout de suite reconnaissable. On a ici le Théâtre de la vie, qui est une œuvre magnifique d'une modernité et en même temps d'une profondeur dans le choix des motifs et la chromatique qui permet vraiment de nous perdre dans ce dédale de motifs, une œuvre en tout cas séduisante et en même temps qui peut aussi nous perdre un peu dans cet espace-là. Alors que peint Árpád Zenés donc côte à côte avec Vieira da Silva? Eh bien, c'est un autre univers, cette fois-ci beaucoup plus axé sur l'extérieur, sur l'immensité, sur ces paysages sans fin, avec la grande pente que vous avez ici. Vous avez également près de la mer, donc l'élément aquatique est extrêmement important pour lui, et on frôle l'abstraction chez lui. Et il y a vraiment un travail sur la matière qui est incroyable, d'accumulation, d'empattement de la peinture en surface pour suivre et nous libérer vraiment sur un espace complètement dénué de toute anecdote et vers l'immensité de l'espace. Il va de même jusqu'à même frôler l'abstraction parce que sans le titre sur cette œuvre d'Árpád Zenés, bien c'est un peu compliqué hein, de reconnaître comme cela un paysage, et en fait c'est le titre qui va nous permettre de resituer un petit peu dans l'espace en contrebas avec peut-être une baie ici avec l'élément aquatique toujours très très présent et le silence, en tout cas cette immensité de l'espace. Alors après la mort d'Árpád Zenés, eh bien Vieira da Silva va continuer la production, et je terminerai avec une œuvre de Vieira da Silva d'ailleurs qui, je trouve, répond et rejoint et mène un dialogue incroyable avec son mari défunt. On retrouve justement cette quête de l'immensité, cette quête de l'infini qui a été réalisée par Vieira da Silva tout en gardant sa personnalité. Et on reconnaît d'ailleurs ce jeu de trame de Dédale. Donc une très belle conclusion, me semble-t-il, autour d'une sélection de quelques artistes qui ont su travailler ensemble, plus ou moins en tout cas bien. Et je voulais terminer sur l'œuvre de Vieira da Silva. Voilà. Donc, en espérant que ça vous a plu, je vais m'atteler à lire le chat. Et Françoise, n'hésite pas si tu souhaites prendre la parole. Alors, on a eu... Bonsoir à tous.
Bonsoir, merci Ewan. On a eu quelques questions. Alors, donc, je vais me présenter quand même. Je suis Françoise Fernandez, je travaille à la Fondation Orange. Et nous menons avec Yann, qui est également co-animateur, la création de MOOC culturel sur notre plateforme de MOOC, que vous connaissez très certainement. Et en ce moment, vous avez une graine de culture, donc un format très court de 45 minutes, qui retrace justement l'amour dans l'art, pardon. Et donc, cette conférence vient compléter cette graine. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de suivre la graine, d'aller la suivre et de participer aussi, puisqu'il y a aussi des activités qui sont proposées dans cette graine, ainsi que des quiz pour tester vos connaissances. Alors, il y a eu quelques questions. Je ne sais pas si tu en as eu de ton côté. On a eu un petit peu. On a eu des questions notamment sur les couples d'artistes contemporains aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelques noms à citer d'artistes de couples qui travaillent ensemble? Ils travaillent ensemble. Il y en a beaucoup dans le monde du street art actuellement. Ils sont très très actifs. On a Jana et JS par exemple. On a également Erakout, qui sont des couples qui travaillent de concert avec des projets en commun. Et c'est vrai que le street art monumental nécessite aussi plusieurs mains et un style commun. C'est vrai que ça pourrait même faire l'objet d'un sujet prochainement sur le street art et aussi l'engagement participatif collaboratif. De couples, il y en a, bien sûr. Et avec ce point de vue, vous voyez l'évolution de la considération de l'artiste femme qui n'est pas encore arrivée jusque on le souhaiterait, mais une certaine équité, un certain équilibre qui nous pousse en tout cas à voir apparaître des couples, à travailler ensemble de concert et une considération mutuelle, homme-femme. Alors justement, il y a aussi des interrogations sur ces couples qui se sont peut-être déchirés, qui se sont détestés, oui. et pour qui les œuvres ont eu, enfin, les conséquences de ce déchirement se sont vues dans les œuvres. Tu as quelques exemples à nous proposer. Alors justement, là, je vois la photo de Pollock, Jackson Pollock et Lee Krasner, vous le voyez. Alors, il n'y a pas eu de déchirement entre ce couple-là, mais au niveau de leur production artistique, en fait, Jackson Pollock est mort subitement à cause d'un accident de voiture, et Lee Krasner s'est vraiment occupé de tout le patrimoine artistique de son mari et également de sa production. Elle a légué une grande partie de l'œuvre de Pollock et également de sa production dans les collections américaines. Et bizarrement, les œuvres de Lee Krasner ont été un peu perdues dans les réserves. C'est un peu un euphémisme que j'explore là. Donc, oublier, je trouve que c'est une tragédie. Donc, il a fallu du temps à retrouver les œuvres de Lee Krasner. Et puis, si on remonte un peu dans le temps de ce relation un peu compliquée entre Claudel, Camille Claudel et Auguste Rodin. Alors, attention, ne pas trop sombrer dans le noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un terrain conflictuel de la personnalité de Camille Claudel qui était peut-être un peu difficile aussi, Auguste Rodin qui était aussi très très reconnu à cette époque-là, eh bien l'œuvre de Camille Claudel a mis du temps à se révéler et puis du temps aussi à la mettre en valeur dans des collections. C'est assez récemment qu'il y a eu le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine par exemple. Donc cette reconnaissance, elle arrive très tardivement pour grand nombre de ces oubliés. C'est effectivement ce qui se dégage aussi de cette conférence. On voit effectivement que les femmes n'ont pas une place première et privilégiée. C'était assez marquant avec Christo, notamment. Sur Gilbert et Georges, oui. Tu nous en as beaucoup parlé. C'est des artistes contemporains, hein, encore aujourd'hui, oui. Ce qu'ils font est vraiment impressionnant. Ils sont très présents.
Ils sont toujours en activité aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont Ils sont toujours en activité, ils sont toujours dans la performance. Alors, ils sont un peu grisonnants, ils marchent un peu moins de manière moins dynamique, mais très, très productifs. Ils donnent de leur personne encore pour des performances et aussi des réalisations de très, très grand format. Ils présentent au Centre Pompidou, à la Tate, au MoMA, enfin, toutes les grandes collections à travers le monde, évidemment, les émergents sont présents. Alors, on a aussi une remarque, ce n'est pas une question, mais de Dominique, qui nous dit au Musée des Beaux-Arts de Besançon, il y a une oui. exposition sur Juliette Roche, oui. artiste peintre oubliée, épouse d'Albert Gleizes, ayant participé aux avant-gardes artistiques du début du XXe siècle. Alors, vous savez que ça tombe bien qu'on me fasse cette réflexion, parce qu'elle faisait partie, en fait, hein, ce couple faisait partie de ma sélection, mais il fallait faire un choix. J'ai dû supprimer, malheureusement. Alors, ça tombe bien que vous m'en parliez de Anna Hoesch. Alors, Anna Hoesch était en couple au départ avec Raoul Haussmann. Et ces deux personnalités donc du mouvement Dada, dont il est important de remettre... voilà, de revenir sur l'histoire, parce que pendant longtemps, on qualifiait les photomontages, les découpages, ce style de réalisation artistique était dédié à Raoul Haussmann. En fait, la première fois, c'est quand même Anna Hoesch qui les réalise. Et donc, de concert, ensemble, vont travailler cette même technique de photomontage et de découpage. Et c'est un couple vraiment atypique, parce que Raoul Haussmann considérait... En fait, c'était une... On peut qualifier d'une féministe. En tout cas, elle défendait sa femme jusqu'au bout. La preuve en est qu'en 1920, pour la première exposition de Dada, c'est lui qui a imposé la présence de Anna Hoesch pendant l'exposition, dans la galerie pour l'exposition. Elle l'a menacé en fait de ne pas y participer si sa femme n'y était pas. Donc c'est quand même, vous voyez, une belle preuve. Et en même temps, c'est un couple assez libre, avec une sexualité quand même plus libre, on va dire, parce que par la suite, Anna Hoesch aura une relation avec une écrivaine. Bergman, me semble-t-il, et c'est vraiment un univers avant-gardiste vraiment passionnant. Si vous aimez ce mouvement Dada, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces carrières-là. Est-ce que tu as des questions de ton côté? Peut-être que tu as des questions qui te sont arrivées directement, sinon on peut peut-être proposer à quelques personnes d'ouvrir leur micro si elles souhaitent poser leurs questions éventuellement. Voilà, alors, je vois dans les remarques également Gonjareva et Larionov, absolument un couple vraiment intéressant où il y a deux personnalités affirmées. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir le côté très féminin dans le travail de l'homme, et contrairement, de carrières aussi intéressantes que j'aurais pu mettre dans le chapitre artiste indépendant, collaborateur, enfin dans la collaboration et indépendant. J'ai vu dans la conversation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Yann, tu as vu tes questions? Ou bien n'hésitez pas à décocher le micro, là c'est le moment, si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour, j'avais essayé de poser une question par écrit, mais sans doute au mauvais endroit. Ah. Savoir si vous pouviez nous parler d'Anna Mendienta et Carl André, par la même occasion, c'est un couple. Et par exemple, dans un autre domaine, mais un domaine qui peut nous intéresser tous, Marina Abramović et son compagnon Oulay. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, Oulay. Comme vous le souhaitez, c'est vrai que c'est un couple vraiment atypique. Abramović, grande figure, Marina Abramović, grande figure depuis les années 60 de l'art conceptuel et aussi des performances, et vraiment une personnalité, une sommité dans l'histoire de l'art, a collaboré pendant des années avec son mari. Oulay, qui était photographe. Alors, je dis qui était parce qu'il nous a quittés il y a peu de temps.
et ils ont performé, enfin, ils ont fait des performances ensemble, parfois très très dures, hein, et qui ont rapport justement avec le thème conflictuel d'un couple, mais transposé en art. Par exemple, je pense à une performance où pendant 10 heures, ils se sont accrochés par les cheveux à l'arrière, comme ceci, et ils sont restés liés pendant des heures et des heures. Donc, c'est évidemment l'expression de vie de couple, pas forcément, vous voyez, pas de manière très positive, mais en tout cas d'être contraint à rester soudé, collé pendant des heures ou des années. Également des performances très dures où Marina pose nue devant Oulai qui tient un carquois et puis une flèche droite qui vise le cœur de Marina. Donc voilà, des performances très dures. C'est vrai, c'est un couple très, vraiment mythique, mais dont la photographie de Oulai n'est quasiment pas visible, on la voit, a été vraiment oubliée. C'est aussi un couple qui aurait pu faire partie du dernier chapitre, vous avez été tout à fait raison. Et puis Karl-André et sa compagne aussi, très, très imposant et très importante aussi dans l'histoire de l'art. Vous avez tout à fait raison de citer ces personnalités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on pourrait avoir le titre du chapitre 4, s'il vous plaît? Alors, le chapitre 4, c'était le dernier chapitre? Oui, lumière. Oui, alors j'avais noté cela comme ça, lumière sur les partenaires oubliés, les doubles du couple. D'accord. L'un qui est oublié, mis de côté, resté dans l'ombre. C'est le thème général. Ben oui. Alors, je vois également une intervention sur le chat, effectivement, Hopper et Joe. Tout à fait, sa muse, mais également une artiste qui a été évidemment est restée dans l'ombre. Et il y en a beaucoup. On n'aurait pu faire qu'une conférence que là-dessus, d'ailleurs, c'est vrai, pour mettre la lumière justement sur ces grandes personnalités. Et puis, dans ma réflexion et dans la construction de cette conférence, je ne voulais absolument pas glisser sur cette notion de la muse. Ça, c'est un autre sujet. On pourra faire, si vous voulez, un sujet là-dessus, la muse auprès d'un artiste, parce que dans ce cas-là, j'aurais pu aussi citer Dali et Gala. Mais là, je me suis vraiment concentrée sur le relationnel, l'apport donc de deux artistes dans un couple, soit collaboratif, en complémentarité, ou bien indépendante ou déchirante. Voilà, c'était le thème qui a été que j'ai cerné pour ce soir. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là, même si c'est passionnant et qu'on passerait la soirée à t'écouter. On va clore. Et puis, évidemment, comme je l'ai cité tout à l'heure, vous pouvez compléter. Alors, avec la graine de culture que vous trouverez sur notre plateforme de MOOC, donc gratuit et accessible à tous, mais également les autres MOOC qui sont disponibles, hein, puisqu'il y a aussi un MOOC sur les peintres femmes et sur Picasso, par exemple, des sujets qui ont été traités dans cette conférence. Oui, tu as raison, Françoise. Voilà, peut venir en complément. Très bien. Merci, Wayne. Merci Françoise, merci à tous. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Bon, bel été et bel été à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était très intéressant. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Super présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Aïe, voilà. Oui.